What's going on, guys? Waco from Revolution here with the legend that is Ludovic Balois. Comment ça va, mon ami? Ça va bien. Excellent. And just to let you guys know, there will be a really cool documentary coming up featuring Ludovic and his wife. And I have to say, his story is incredible. Mais on peut commencer avec un peu votre histoire de horlogerie. Comment vous avez commencé? Alors, normalement, j'étais pas censé devenir horloger. Puisque mon rêve, c'était d'être prothésiste dentaire. Prothésiste dentaire, fabriquer les dents pour les appareils. Ah oui? Je voulais faire ça. Incroyable. Et malheureusement, j'étais pas très doué à l'école. Alors, très jeune, j'ai fait un cycle de sténodactylographie secrétariat. Ouais. Ouais. J'avais 14 ans. Ouais. Pour être prothésiste dentaire, même si c'est du plastique pour travailler dans les dents, ils m'ont dit non, ça va pas. La comptabilité, ça va pas avec ça. So, Ludovic's actual ambition initially was he wanted to be a prosthetic dentist or create prosthetics for dentistry, but apparently he was not his aptitude was not considered to be high for this métier when he was at school. Et puis je vais voir quand tu es jeune, tu vas voir les conseillers d'orientation. Ouais. Tu sais pas quoi faire, t'as un monsieur qui va te dire pourquoi vous faites pas ça. Et incroyable, pour une fois, j'ai rencontré un bon conseiller d'orientation. Ah, incroyable. Et il m'a dit, mais pourquoi vous faites pas horloger? Ah oui? Mais j'ai dit, mais bien sûr, si on m'avait dit ça avant, j'aurais fait horloger déjà maintenant. Tu vois, c'était le... Le ciel m'avait envoyé cette personne ce jour-là. So he was saying that... He was saying that he had a, you know, your guidance counselor, and for once he received a guidance counselor that somehow gave him the exactly right guidance, and almost like it was an angel that signed it from heaven. She said, "You need to be a watchmaker," and he said, "Yes, I do need to be a watchmaker." Of course, it's for me. But yes, exactly. And I go to the school of watchmaking. I start the, je commence l'école d'horlogerie. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que j'habitais en Bretagne, en France, où il n'y a que des fermiers et que des pêcheurs. Et pourtant, il y avait une école d'horlogerie. Ah oui? Alors, en fait, la Bretagne, c'est la mer tout autour. Okay. L'école d'horlogerie était très ancienne. Oui. Et il y avait une école d'horlogerie pour apprendre à des gens comme moi, oui, à l'époque, à réparer tous les instruments qu'il y a dans les bateaux. Ah, ok. So he's saying that he lived in Brittany, which incidentally is not very well known for watchmaking. Everyone's a fisherman. The sea surrounds Brittany. However, he was like, but actually there was a watchmaking school because they needed someone to repair all of the instruments for the boats, and so that's where he went. Correct. And quand je termine l'école, oui, à 18 ans, j'avais beaucoup de copains au bord de la mer. J'aimais bien faire la fête. Oui. Je me suis dit, mais je ne vais jamais partir en Suisse, dans les montagnes, dans la neige, oui, avec personne que je connais, quoi, à 18 ans. Alors j'ai décidé de rester en Bretagne et de changer de métier. Ah oui? J'ai changé de métier. Et comme j'étais passionné par les avions et qu'il y avait un aéroport international près de chez moi, j'ai travaillé sur cet aéroport international pendant 10 ans. De faire quoi? Réparer tous les instruments de bord qu'il y a dans les avions, tous les petits compteurs. So as he was 18 years old and he was like, all of his friends liked to hang out by the sea and all the hot girls were there. And he was like, dude, I don't want to like go to Switzerland in the mountains in the snow. So he changed his vocation and he worked at the local airport for 10 years and fixing all the aviation instruments. Alors c'était super. Ouais. J'ai adoré. C'était plus grand que les montres, un peu comme un réveil. Ok. Facile. Oui. Et de temps en temps, je pense que tu connais, dans les avions, tu as un chronomètre, oui, de bord, Breguet. Ah oui, cool. Avec le poussoir devant. Oui. Et de temps en temps, deux fois par an, il y avait un avion qui avait encore le chronomètre de bord, Breguet. Alors, deux fois par an, je réparais une montre. Pendant 10 ans. So he said that he loved it. It was easy to work on. The instruments were really large. And every once in a while, maybe twice a year, he would get a plane that had a Breguet aviation clock on it. So twice a year, he could actually be a watchmaker. Et quand j'ai eu 28 ans, les copains, ils étaient mariés ou ils avaient arrêté de boire. Ou ils avaient des enfants. Et là, j'ai dit, bon, ben, j'ai plus rien à faire ici. C'est le moment d'aller en Suisse.
So he said by the time he was 28, everyone was married. They didn't want to go out and party anymore. They were all having their children. So he said, well, this is boring. Okay, I'm going to go to Switzerland. Mais je connaissais pas la Suisse. Je connaissais pas les marques de montres suisses tout à fait, toutes. Incroyable. Je savais pas où aller. Alors j'ai tiré un peu au hasard. J'ai acheté un magazine en Bretagne qui sortait tous les ans. Ça s'appelait le magazine des 1000 montres, où il y avait 1000 montres suisses à l'intérieur. Et j'ai dit à mon copain, écoute, je vais envoyer un courrier là où il y a la montre la plus chère. Ah, c'est rigolo. On regarde le magazine, ouais. La plus chère, c'était une Frank Muller Certi Baguette à 2 millions de francs français à l'époque, mais avec un mouvement à quartz. Mais ça, je ne savais pas. Un mouvement quartz. Bah oui. Ah, c'est rigolo. Et j'écris là. So he said, so he didn't know anything about Swiss watch brands. So he bought a magazine that was called 1000 Watches, right? And in the magazine, he decided, okay, I'm just going to send a letter to whoever has the most expensive watch. And flipping through, he saw Frank Muller had the most expensive watch. It was a diamond set woman's watch in quartz. But he didn't know at the time that it was quartz. So he just sent his application letter to Frank Muller. Et j'ai écrit un courrier. Oui. À l'époque, c'était à la main. Oui. Et ils m'ont répondu une semaine après. Venez le plus vite possible. Ah oui. On a du travail, on sait plus comment faire. So he sent a handwritten note to say with his application, and he got a response immediately and said, come immediately. We have too much work and we have work for you. C'était il y a 24 ans. Okay. Et depuis, ben, j'ai jamais quitté la Suisse. Incroyable. J'ai commencé avec Frank Muller. Oui. Je suis resté 3 ans. Oui. C'était pas vraiment le travail que je m'attendais à faire. Oui. C'était pas de la haute horlogerie. Ok. Et j'ai eu la chance de rencontrer François-Paul Jaume. Ah, intéressant. Là, moi, j'avais une âme d'indépendant. Je me souviens de mon premier rendez-vous avec François-Paul Jaume. Je lui ai dit « Bonjour, monsieur Jaume, je viens parce que j'ai besoin de manger. J'ai plus d'argent, je vais rester 6 mois, je pense, et après je pars. » Et je suis resté 7 ans. Incroyable. Okay, so he was in 3 years at Frank Muller, and it wasn't exactly the work that he wanted to do. So then he had the chance to meet François-Paul Jaume. At the time, however, he wanted to be independent. So he told François-Paul, look, I'm probably going to be here 6 months. I need the work because I've got nothing to eat. And in the end, he ended up staying 7 years. Et les trois premières années chez François-Paul, j'ai fait la ligne Octa. Ouais. Octa Lune, Octa Calendrier, tata. Et un jour, François-Paul m'appelle et il me dit, Ludo, une petite promotion, tu vas faire du tourbillon. Incroyable. So he started off with the Octa line, which is the automatic watches from François-Paul Jaume. And after 1 year, François-Paul told him, listen, you have a promotion. Now, Ludovic, you're going to make tourbillons. Et tous les horlogers rêvaient de faire du tourbillon. Everyone wanted to make tourbillons. Et moi, je dis non. And he said no. No? Pourquoi? Tourbillon, pour moi, c'est tourner en rond. He doesn't like it because it just turns around itself. T'as seulement quelques pièces dans une montre. C'est vite assemblé, mais c'est long à régler. Ah, ok. Et moi, j'aime quand il y a des pièces partout dans tous les sens, des ressorts, des bascules. Ah, oui. Quelque chose de très, très compliqué. Voilà. Je veux pas passer ma journée à régler un balancier. So he said that, you know, actually a tourbillon is not a super complicated watch. It's not that many pieces. It's just a pain in the ass to regulate. And he said he didn't want to spend his old age just regulating a balance. Alors je pense que je suis le seul et unique horloger de chez François-Paul Jaume à avoir refusé de faire du tourbillon, donc il s'est un peu... il a été très surpris. Et puis bah, je suis retourné faire des octas. Mais je pense que ça est resté un peu en travers. Donc un mois après, il me rappelle, il dit Ludovic, viens voir. Et si tu fais les grandes sonneries? Ah, c'est so... le plus beau jour de ma vie. So he was probably the only guy to ever refuse to make tourbillons with François-Paul, but it probably intrigued François-Paul. And so a month later, he said, hey, Ludovic, how about making grand sonneries? And he said that this was one of the important moments in his life. Et j'ai fait des grandes sonneries pendant 4 ans. And so he made grand sonneries for 4 years. Incroyable. Et après 4 ans de grandes sonneries, on ne peut pas chercher du travail ailleurs pour faire mieux parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire de mieux ailleurs. Ouais. Ou alors, il faut avoir 60 ans. Ouais. Et moi, j'avais que 35 ans. Ouais. Donc, ce n'était pas possible. Et il y a eu la crise économique qui est arrivée en 2008. Oui. Forcément, je faisais la montre la plus compliquée et la plus chère. J'avais le meilleur salaire. Ouais. Et quand j'ai vu la crise arriver, j'ai pensé, ben, voilà, je suis le premier qui va passer par la porte. Alors, ça m'inquiétait,
Là, je voulais me mettre à mon compte. Et à la télé, à la radio, dans les journaux, c'était la crise financière. Et je voyais tous les chiffres upside down. Et je me disais, tous les chiffres tombent, mais s'il y en a au moins un qui a encore la tête en haut, la vie continue. Oh, this is good. So he said, it was interesting because, he realized that there was a financial crisis that was happening in 2008. And he was at this point making grand sonneries, and he's like, damn, dude, if anyone gets fired first, it's going to be me because I'm making the most expensive watches, but I also have the most expensive salary. And he said, okay, what am I going to do about this? And then he was watching on television and everywhere, and all he saw was numbers going upside down. I mean, they were, stock exchange and so on was plummeting. And he said, but as long as there was one number that stayed upright, the life will continue. Ah, là, j'ai pensé, mais finalement, c'est pareil dans les montres. Oui. Il y a 12 heures, mais on n'en vit qu'une seule à la fois. On ne vit pas les 12 en même temps. Oui, c'est ça. He said, and it's actually in life and in watches, actually, this is a great philosophy because if you look at the 12 numbers on a watch or on a clock, you only need to read one at any given time. The others are not active. Mais on a quand même besoin des 12 parce que on a le passé, on a tous un passé et on a tous un avenir qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Et donc, c'est devenu cette montre, vive l'instant présent. Ah oui. Le passé est là, oui. Mais on ne peut pas revenir dessus. Oui. L'avenir, il est là, on peut... mais on ne le connaît pas. Oui. Alors, il faut vivre l'instant présent comme this. On le vit maintenant. C'est magnifique ça, c'est une très bonne philosophie. So, he was saying, of course we need all 12 numbers, because we need the past and we need the present. But we need the past and we need the future, but we can only live in the present moment. And he wanted to create a watch that was an expression of this, right? Of course, we need the past, but there's nothing we can do to change it. And of course, the future is uncertain. So he wanted to create a watch that told everyone to embrace the present. Mais à ce moment-là, vous avez créé votre société? Alors, j'ai eu de la chance. C'était la crise. Les fournisseurs, ils n'avaient pas de travail. Oui. Avant, pour avoir un composant, il fallait attendre 2 ans. Oui. Il fallait en commander 10 000. Oui. Là, je les commandais par 10 et je les avais en 15 jours. He said he had a great success as a result of the crisis because normally if you want a piece from any of the suppliers, it takes 2 years and you have to order 10,000. But because of the crisis and they're all struggling for work, he was able to order pieces that arrived in 15 days and he could order like 10 pieces. Et par contre, je voulais quand même faire des montres de qualité. Donc je voulais quand même, dès les premières montres, avoir des boîtiers en platine. Wow. Mais des bons boîtiers bien lourds, des vraies boîtes en platine. Oui. Il fallait de l'argent. J'avais pas l'argent pour me lancer. Alors, comme je faisais les grandes sonneries, je connaissais les collectionneurs qui les achetaient. Et ils me connaissaient. Oui. C'était devenu des amis. Et eux me disaient aussi tout le temps, Ludovic, le jour où tu veux décider de créer ta marque, cool. Tu nous dis, oui. Parce que nous on veut acheter tes montres. Magnifique. So he said that he wanted to start with the very best quality. He wanted platinum cases, but he didn't have money to invest in platinum cases, to start this brand. So what was fortunate was that he had met all of the clients of the Grand Sonnerie as a result of his work. And they had always told him, Ludovic, when you decide to launch your own brand, we want to buy your watches. Alors j'avais l'idée, je savais comment la faire fonctionner, mais il me manquait l'argent. J'ai appelé ces collectionneurs, 12, oui. Et j'aurais dit, ok, je suis prêt, je veux bien lancer ma marque, vous aurez une des premières montres de souscription, il y en a 12, mais je ne veux pas vous dire ce que c'est, ce sera une surprise. Parce que un jour je me suis fait voler une idée, oui. Et je veux pas que ça m'arrive deux okay. fois. Okay. So this is really cool. So he said he reached out to 12 collectors and said, okay, I'm ready to start my brand. I'm going to offer 12 subscription watches, so watches that you pay a certain amount for in advance to help the project get started. But he said, but I cannot tell you what it is because once I had an idea stolen from me and I didn't want this to happen twice in my life. Ils ont trouvé ça génial de pas savoir. Incredible. They love the fact that they didn't know. Ils m'ont tous donné l'argent tout de suite. All gave them money immediately. Ils étaient super heureux. And they were all super happy. C'était en mai. Okay. En mois de décembre, j'ai livré la première montre. So it was in May. By December, he delivered the first watches. J'ai mis 6 mois okay. de rien jusqu'à la livraison de la première montre oui. avec l'Upside Down. Incroyable. And he said for six months,
He basically lived on nothing until he delivered the very first upside down one. J'ai eu la chance de la première fois que ça a fonctionné du premier coup. He was very, he had a lot of chance. Je suis sûr, c'est très, très bon design aussi. From the beginning, the watch worked perfectly. Et c'est celui-là. Ouais. So this is Ludovic's upside down. Where if you look at it, you can see that all of the indexes are upside down, except for the one where the actual hour that you're in. So here you see there's obviously 12 indexes, all 12 of them are upside down, except for the index for number 7, because that is right side up, because that would be the time that you're in. Right? So I can show you if I take the crown out, and then advance it past 12. Okay, now 8 is up. Now we're going to go, well actually 8 looks the same both ways. Now let's go to 9, and wow. And I love how instantaneous the jump is on this. It's really amazing. Magnifique. Et normalement, les montres à complication, la complication est toujours sous le cadran. Oui. Derrière, on voit plutôt le mouvement. Oui. Je trouvais que c'était pas assez compliqué, alors oui. J'ai décidé de traverser tout le mouvement wow. Pour qu'on voie comment fonctionne la complication derrière. So this is important. So et he ça, said, c'est ludique. Ah oui. So he said that normally complications are hidden behind the dial, but he said like for him it wasn't interesting enough, so he wanted to make his complication travel all the way through the movement so you could see it from behind. So as you can see here, there's a system of Maltese crosses, and each one of them is compelling the jump for the individual hour that they represent. I must explain this. Hyper cool. Après ça, alors ça s'est très bien vendu, oui. Tout de suite. Sold very well. Ouais. François Paul avait des retailers okay. Qui me connaissaient aussi. Ah ben excellent. Donc ils n'ont pas attendu 10 ans pour travailler avec moi. Okay. Ils ont travaillé tout de suite avec fabuleux. Moi. So François Paul had retailers that knew Ludovic very well because of the relationship with him with the Grand Sonnerie, and they all decided they wanted to work with him as well. So it didn't take him 10 years to establish a reputation with retailers because they already knew him. Tout était super. All was cool. Donc j'ai très vite dessiné une seconde complication. So he quickly after that designed a second complication. Qui s'appelle alors la première s'appelle l'upside down. Ouais. La seconde s'appelle la halftime. So the first one was called the upside down, the second was called the halftime. Donc, j'étais à cette époque-là marié à une femme super qui malheureusement était malade du cancer. So at the time he was married to a woman who's awesome, but unfortunately was stricken with cancer. On savait qu'il n'y avait pas d'issue, donc on vivait chaque jour comme si c'était le dernier, et j'ai voulu créer une complication qui représentait notre amour. Wow. So he said they never knew what was going to happen in the future, so they wanted to live every day like it was their last, and he wanted to create a complication that represented his love for his wife or their love together. Et la halftime, en fait, c'est deux demi-chiffres oui. Qui se rejoignent à une heure précise. Ah ouais. Et c'est comme dans la vie. Tu rencontres la bonne personne, oui. Le bon partenaire, et à deux, on fait plus qu'un seul, quoi. So the halftime is two. Every number is divided into half, and at the right hour they jump together. C'est, je peux? Bien sûr. Merci beaucoup. Ah, mais magnifique. So you can see the number that's being described is the one at the top, or the hour, and you can see all the other ones are randomly scattered into halves, right? And when they jump together, ah, mais c'est magnifique. Ah, mais j'adore. Et comme expression de l'émotion, c'est fabuleux aussi. Ah, c'est magnifique. Et pareil, alors j'ai designé un nouveau mouvement, okay. Puisque c'est une nouvelle complication. Et j'ai gardé la j'ai fait en sorte qu'on puisse encore voir comment ça fonctionne. Oui. Ouais. So it's very important for him that also when he designed this, he had to create a movement that you could see how it functioned. Mm-hmm. Mais magnifique. Et 2010 la première, 2012 la seconde, et je reçois un coup de téléphone. Monsieur Balloir,
C'est Harry Winston. Ah, okay. So 2010, the first, 2012, the second watch. Then afterwards, he got a call from Harry Winston. Basel World, c'est dans 11 mois. Basel World in 11 months. On n'a pas de montre. We don't have a watch. Pour l'Opus 13. For the Opus 13. Voilà. Parce que la personne qui devait la faire n'arrivait pas. C'était pas prêt. The guy who was supposed to be making Opus 13 couldn't deliver it because it just wasn't ready. Alors, bien sûr, normalement, c'est les horlogers qui appellent Harry Winston pour leur dire, s'il vous plaît, je veux faire une opus. So normally, it's the watchmakers who call Harry Winston and say, please, I would like to make an opus. Et là, c'est eux qui m'ont téléphoné, s'il vous plaît, please, help me. In this case, it was the opposite. Parce qu'ils savaient que j'avais fait cette complication-là en 6 mois, que j'avais fait très rapidement celle-ci derrière, et j'avais une réputation de pouvoir faire des montres compliquées très rapidement. He had a reputation for being able to make watches very quickly. That was created in 6 months. This was in about the same amount of time. So he's known as the guy who can create things very quickly. Alors, and they work. Puisqu'il y a resté que 11 mois, j'avais déjà des idées en cours où j'avais déjà dessiné des plans. Je suis allé les voir déjà avec ça pour gagner du temps. Ouais. Mais moi, mes complications sont subtiles. Et eux, ils voulaient une complication à l'américaine. Ah, okay. Genre le feu d'artifice, quoi. So it's, he said he designed something, then he went to them. To save time, he designed it beforehand, and his complication was very subtle, but they had wanted something more American, meaning much more pyrotechnic. Alors ils m'ont dit, non, ça va pas. And so he said, sorry, that's not going to work. Est-ce que vous avez autre chose? Je dis non, j'ai rien maintenant, mais je reviens demain avec autre chose. Reviens quand? Demain. So he said, we don't have anything now, but we're coming back tomorrow. I'll come back tomorrow and show you something else. Je suis allé me coucher. He went to sleep. Dans mon lit. Yep. Et je me suis réveillé et j'avais l'idée. He said he went to sleep. Yeah, he had no idea. He woke up and he had an idea. C'est ma façon de travailler. Okay, so si j'ai besoin d'une idée, je vais me coucher et je me réveille avec une idée. Toujours. Et donc, je vais les voir. Je leur dis alors, écoutez, je vous fais une montre avec 70 aiguilles, le feu d'artifice. Okay, so he said, okay, listen, guys, I have an idea. It's going to have 70 hands. It's going to be le feu d'artifice, an explosion. J'ai expliqué le projet, ils m'ont dit oui tout de suite. He explained it and they said yes. Et puis ils m'ont dit, voilà, j'ai eu 11 mois en partant de zéro pour avoir une montre à Basel World 2013. Incroyable. So he had 11 months to have one watch ready for Basel World in 2013. Cette complication contient 660 composants. 660 composants. 660 components. C'est 242 rubis. 242 rubies. 70 aiguilles. And 70 hands. Et je suis arrivé à Basel World avec 5 montres. I know. Qui fonctionnaient toutes. And he arrived at Basel World with 5 watches that all functioned. Ils n'avaient jamais Basel World des montres qui fonctionnaient pour l'Opus. J'étais jamais prêt. Oh, oui, et vrai. Là, ils en ont eu 5. Incroyable. Et alors, malheureusement, l'histoire a très mal fini, puisque Harry Winston a été racheté par un grand groupe. Unfortunately, the story ended because Harry Winston was purchased by a big group. Et ils ont pris mon contrat, ils l'ont déchiré devant moi, et ils ont dit, on n'a plus besoin de vous. And it didn't work out. Et voilà, et j'ai repris mon activité à moi, puisque j'avais tout arrêté pour eux, et maintenant, ça va très bien. Et là, je travaille actuellement sur la troisième complication pour moi, qui sera, je l'espère, prête et visible dans 2 ans. Encore une complication unique, qui me ressemble, et qui est vraiment exceptionnelle. Mais les brevets sont déposés, personne ne l'a fait. Je sais que je suis le seul et le premier. Ah, mais magnifique. So he says that anyway, so he's now just focuses on his own thing. He will have his third world premiere in 2 years' time. No one has done it, and it's a wonderful expression of who he is. Mais c'est fabuleux. Alors, ce n'est pas un secret, hein. Ouais. Ce sera un chronographe. And it's not a secret, it's a chronograph. Mais quel chronographe? Mais quel chronographe? Ça, c'est un chronographe. Voilà. Incroyable. Hein. Ok. Je suis sûr que c'est quelque chose d'exceptionnel. I'm sure it's going to be something peut-être incredible. Ça fonctionnera jamais.
Non, c'est toujours fonctionnel avec vous. It always works with me. Aïe. Loulan, merci beaucoup. C'est un très, très grand plaisir de passer ce temps avec vous. C'est fabuleux ce que vous faites. J'adore l'Upside Down. L'histoire avec de ce monde halftime, c'est très émotionnel. Et toi, vous êtes awesome. Super. Excellent. Merci beaucoup. C'est la clé du succès. Merci.